Si vous suivez nous sur Facebook, Twitter ou bien YouTube, n'a pas rappelé ou regarder Journal 9 sur Bell TV. Rapidement, quelques points qui dominent l'actualité. 24 accidents faits sur route dans le pays d'Haïti. Sorti 7 pour arriver 13 décembre 2021 d'après Stop Accident. Stop Accident enregistré 63 personnes blessées et puis 4 autres qui mourent sur place. 150 millions de dollars américains, c'est quantité d'argent Banque République d'Haïti prévoit injecter sur le marché local là pour commencement l'année 2021. Haïti Santé, ministère Santé Publique continue à enregistrer nouveaux cas coronavirus. Dans la date 12 décembre, il y a 23 nouveaux monde qui infectés. Le Bodlo, campagne vaccination contre COVID-19 a déjà commencé dans le pays États-Unis. Première livraison Pfizer BioNTech va permettre environ 3 millions de monde vaccinés. Restez branchés, nous tourner dans un budget pour le développement de titre. Bienvenue dans le développement journal là. 4 personnes mourir et puis 63 autres blessés dans le pays d'Haïti pour semaine 7 pour arriver 13 décembre 2021 pendant accident qui fait sur route yo d'après organisation Stop Accident. Stop Accident enregistré 24 accidents. Parmi les personnes qui mourir yo, c'est deux chauffeurs moto. Zone accident ça yo arrivé c'est Nazon, Matisse 103, Léogane, Akin et Latrier. Au commencement l'année qui a venu là, BRH prévoit injecter 150 millions de dollars américains sur le marché. Écoutez Jean-Baden Dubois. Il y a une diminution de l'offre de dollars par rapport à la demande. Et nous sommes d'accord avec moi, même mathématiquement, il y a une diminution de l'offre de dollars par rapport à la situation. Certainement, la Banque centrale libre continue à intervenir. Et la Banque centrale a intervenu dans les deux prochains mois jusqu'à concurrence de 150 millions de dollars. Ce qui veut dire que, cependant, ce n'est pas comme pour nous à le thésauriser, ce n'est pas comme pour nous à le serrer que lié. C'est pour les besoins effectifs de ça que nous avons besoin. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que intervention Banque Centrale pour cibler en priorité produits de première nécessité, ensuite matériaux de construction, médicaments et tout bagaille, et certainement les produits pétroliers. C'est eux-mêmes qu'ils ont ciblé en priorité et ce n'est pas juste au besoin tant de dollars ou à l'autre banque ou prend tant de dollars, il faut que vous ayez effectivement une obligation pour payer. Parce que si nous bien lis décret sur affichage des prix en gourde là, il n'y a aucune raison pour aujourd'hui pour nous payer en dollars. Cependant, comme nous sommes en période de transition et de transformation, je préfère dire période de transformation que période de transition. Parce que transition qui tombe est passif, c'est-à-dire maintenant nous laisse à pire bon pour nous faire des bagailles. Période de transformation, ça veut dire que nous mettons l'ordre de façon à ce que nous avons un marché qui permette que good là reprend valeur. Le good là reprend valeur, n'a pas capable d'investir en good. Yon l'autre bord, gouverneur BRH là fait remarquer et stabilisation taux échange là sur marché a pas dépend seulement de BRH, les dépend de plusieurs autres facteurs en cours remembrement production nationale là. Stabilité taux de change. OK. Certainement, au besoin de discipline de marché pour qu'on ait stabilité. Mais fondamentalement, au besoin de production. C'est production, au besoin de production, il faut qu'on ait augmenté la production dans le pays. Et certainement, je pense que des politiques publiques qui sont supposées prendre de façon à ce que nous obligions à importer des bagages que nous avons fait dans le pays pour que nous partions là-dedans. C'est dans le pays que nous achetons avant que nous devions importer l'autre bagage. Il faut que vous ayez possibilité à artisans haïtiens pour être capable de faire meubles avant qu'on permette au monde d'importer meubles. Il faut que vous ayez possibilité à planteurs haïtiens pour produire des bagages avant qu'on autorise les gens à importer. Et il faut que les gens prouvent justement que l'acheter et lui permettre justement que la production soit faite. Et l'heure que nous faisons ça,
nous capables vraiment commencer de manière rationnelle et comme des gens sérieux pour que nous disions que nous avons augmenté la production, nous commençons à faire substitution à l'importation, nous commençons à parler nous pour l'exportation. Et de ça, véritablement, je pense que la période de transformation, ça, faut nous profiter de lui, faut nous mettre à profit de façon à ce que nous sommes capables d'établir les bases de stabilité de monnaie nationale. Là. N'a pas rappelé pour lundi 14 décembre, taux référence BRH c'était 71 gouttes 531 centimes pour un dollar. Haïti Santé, 23 nouveaux monde trappé coronavirus dans espace 24 heures d'après communiqué 12 décembre ministère Santé publique publié. Pour 11 décembre, c'est 56 nouveaux cas MSPP enregistrés. Dans ce sens, actuellement, il y a 38 949 cas suspects, 9588 cas confirmés, 1074 cas actifs, 8280 personnes guéries et puis 234 autres mouri. MSPP encourage tout le monde pour continuer à respecter les hygiène, tant pour mettre cache et respecter la distance sociale. L'autre nouvelle, association citoyen et citoyenne qui regroupe yo en banon collectif victime massacre d'État yo, ensemble avec avocat yo, te bay conférence pour la presse lundi 14 décembre 2020. Dans l'occasion, M. André Michel, yon nan avocat yo, continue à demander justice pour tout le monde qui est victime dans le quartier populaire yo, et puis demander l'État respecter droit catégorie moun sa yo. An koute l nan Micro Bell TV. Nous même ça nous dit comme avocat, comme défenseur indépendant droit monde, personne ne peut bénéficier de sa propre faute. C'est gouvernement, c'est Jovenel, c'est PHTK qui mettait zam dans mes bandits dans quartier populaire. C'est gouvernement, c'est Jovenel Moïse, c'est PHTK qui bail bandi aux zam. C'est gouvernement qui fait Genève. Je dis à nous dire oui, il faut arrêter les criminels. Oui, il faut arrêter les assassins. Mais nous pas accepter que écraser kay citoyens paisibles qui vivent dans quartier populaire. Dans quartier populaire, majorité moun yo c'est moun sérieux, c'est moun de bien. C'est moun qui pas gen moyen qui vivent dans quartier populaire. Ou pas ka fin faire gang yo, kounya la ou écraser population pour aller prendre gang yo. Non, c'est pour prendre gang yo, mais pi gao ou faire population victime. C'est pour arrêter gagnant, mais il faut pas gagner victime dans le quartier populaire. En tant que défenseur indépendant de droits humains, on ne l'acceptera jamais. Les droits des populations des quartiers populaires doivent être sauvegardés. Les droits des populations des quartiers populaires doivent être respectés. À l'étranger, pays États-Unis déjà commencé campagne vaccination contre COVID-19 là. Première livraison Pfizer BioNTech pral permettre 3 millions moun recevoir vaccin ça. Objectif autorité américain yo c'est vacciner 20 millions moun pour mois décembre là. Vaccin Pfizer BioNTech ça qui gagne 2 doses ta efficace à 95% contre COVID-19 là d'après information yo. Le premier vaccin États-Unis approuvé. Les joignent tout approbation Canada, Royaume-Uni, Bahreïn et Arabie Saoudite. Merci pour attention et fidélité. Nous avons rendez-vous pour un autre numéro Journal 9.